Et salut tout le monde, comment ça va? Attendez, je mets la webcam, hein, vous inquiétez pas. Coucou, voilà, je suis là. On remet le son du jeu tant qu'à faire. Et salut Démon, salut Lulu, et salut Stitak, comment allez-vous? Moi, c'est la grande forme. Alors excusez-moi, je risque d'avoir un fou rire si je repense à ce qu'on m'a dit ce soir, hein, parce que il s'est passé quelque chose il y a tout juste quoi, 20 minutes, et je m'en remets toujours pas en fait, je suis désolée. Ah bah s'il entend pas, allez, on va être gentil. Je vais lui écrire bonjour sur le chat. Ouais, je suis comme ça, moi je suis de bonne humeur ce soir. Voilà. Et un chat aussi intelligent qu'une coquille de noix de cajou qui fait de la natation sur des thunes. J'adore. Du coup, j'espère que vous allez bien en tout cas. Ah oui, la tour ferraille, c'est ça que je devais faire. Salut Kurenai, comment tu vas? Je vais pas tant bien que ça, mais ça va quand même. Oh bah j'espère que c'est pas trop grave, Lulu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça y est, Lily est perturbée ce soir. Vous inquiétez pas, hein, Lily ce soir va délirer, va sourire bêtement pour un rien. Peut se foutre à rire pour un rien aussi si elle repense à ce qui s'est passé ce soir de tellement ridicule. Et vous avez vu, j'ai pensé à mettre Electek hein, sur l'overlay. Très bien, et toi, Lily? Bah, ça va. Hein. Ça va étrangement bien. C'est ici la tour ferraille, hein. Je sais même plus où je dois aller, je sais plus où je vis. Ouais, c'est ici, je crois que je dois aller. Eh ben non, je dois pas partir. Parce que j'ai ce qu'il faut. D'accord, j'y vais. Ça parle de Bob l'éponge. Vous avez vu Splatoon pour le festival? C'est enfin, c'est ce que j'ai cru voir entre je vais y arriver entre Bob l'éponge et Patrick. Je sais pas si c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas touché à Splatoon. J'ai même pas été récupérer la récompense de la dernière fois pour vous dire. À cause de mes écouteurs qui viennent de lâcher. Oh bah ça va, il y a pire dans la vie. Rip les écouteurs de Lulu. Merci pour les commandes, Kurenai. Et ouais, moi je m'endors pas, je suis pas comme ça. Je sais pas comment tu fais pour être encore heureux. Ouais, sans écouteurs, c'est tellement dur. Et j'ai perdu mon billet de 10 qui devait me servir à manger ce midi. Ah ouais, alors ça me ferait plus mal que les écouteurs, tu vois. Bah, il y a des jours avec et des jours sans Lulu, hein. Oui, j'ai pas vu qui l'envoyait, du coup, j'ai pas changé de Pokémon en fait. C'est juste ça. Allez, je peux dormir seulement dans 6 heures. Courage, Stitak. Bon, tu peux pas m'entendre en principe, mais c'est pas grave. Courage quand même. Mais non, ils vont pas entendre le live. Ils vont pas l'entendre.
Au pire, pourquoi ils l'entendraient déjà? Ça vient de passer. Au pire, s'ils entendent que maintenant, c'est pas grave. Ah non, mais ouais, d'accord, non, je viens de comprendre, ça y est, c'est parce que t'as peur qu'ils entendent trop le son, mais tu baisses le son si c'est ça. Je sais pas, à moins que tu vis dans une cabane, mais... en principe, si t'es pas dans la même pièce que ça devrait le faire pour regarder le live. Ça devrait pas les déranger. Oui, je les ai vus, oui, je les ai vus. Ils doivent me mettre à l'épreuve, j'ai peur. Va dans la cave au pire. Je suis sérieux, j'ai vraiment trouvé 10 euros ce midi. Raboul le flic. Le flic. Le fric, démon. Ça y est, non mais je vous ai dit aujourd'hui ça va pas. Là ce soir, trop d'émotions pour moi. Je vis dans une cave et c'est pas mal. Ah bon? Y'a du bon vin dans ta cave, j'espère. Et en plus, Lulu s'est volé son couteau sacrificiel. Bah bravo. Je peux pas dormir, Noirfang. Je suis trop de bonne humeur pour m'endormir. Salut, Sarah. Moi, ça va aussi. Ah, chez moi, il a fait beau aussi aujourd'hui. C'était super agréable. J'ai pendu mon linge dehors et tout, et moi il faisait beau. Ouais, ma vie elle est cool, hein. Voilà, révélation, Lily pend son linge dehors quand il fait beau. Et ça sèche plus vite. J'approuve, dans la cave de Lily c'est luxueux. Ah, dans ma cave il y a du bon vin, ça c'est vrai. D'ailleurs, avant d'aller voir Suicune, ce serait cool d'aller acheter des potions, je sais pas ce que vous en dites, mais... Salut Tourcoum, comment vas-tu? Lily a du linge. Ben oui, regarde, je stream pas toute nue, hein, j'ai une chemise là. Lily est bonne à marier. Coucou Patoche. Non mais laisse tomber, tu sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais j'en peux plus quoi. Lulu, te suicide pas. Il y aurait trop de gens tristes si tu te suicidais. C'est mal le suicide. GG démon pour le level up. Moi faut que je prenne des calmants là parce que je vais pas arrêter de parler et dire de la merde. Moi je me suis douté, t'inquiète Meia. Mais j'aime bien t'appeler Patoche aussi en fait. Ah, moi aussi, ça tendait la pelouse par chez moi. Mais ça va. J'ai pas eu trop d'allergies. Je m'en suis plutôt bien sortie. Démon, t'as pas. Ah, si, j'allais dire, t'as pas évolué. Mais tu l'as mis juste en dessous. Elle ne stream pas toute nue, dommage. Mais je me ferai bannir de Twitch sinon, tu vois. Sinon, je m'habille exprès pour le stream en fait. Hein, c'est. Non, me lancez pas des perches comme ça, aujourd'hui je suis d'humeur à dire des conneries, donc... Demain il va pleuvoir et tout le week-end... Oh, c'est nul ça! Raconte, pas ici Patoche, pas ici! Patoche, mon côté obscur. Ah. Stop sa évolution, faut appuyer sur B! Rien, je me suis fait charrier par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est tout. Sur un délire qui s'est passé la semaine dernière. Je me suis sentie ridicule, mais en même temps, c'était tellement drôle que... Que rien que quand j'y repense depuis tout à l'heure, je rigole toute seule, en fait. Non, il faisait pas trop chaud, il faisait juste bien, là. C'était trop bien. Ah bah ça y est, je m'endors. Évolution de Chine. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sûrement, bientôt.
Je vois le coucher de soleil à travers les barreaux de ma fenêtre. Tu as des barreaux à ta fenêtre? C'est même pas vrai, Patoche, d'abord. Ça se voit tant que ça d'ailleurs. Ça m'inquiète. Hein. Et oui, démon ne peut pas mourir. Démon est immortel. Bon, il va mourir de sa brûlure. Tellement triste. Ben voilà, Shin va évoluer. Aqually, oh j'adore ce Pokémon. Je te connais par cœur, t'es mal à vous. Non, ça va, ça va. Pour l'instant, ça va, je suis sur mon petit nuage. Et j'essaye de pas rigoler sans arrêt. Il est totalement paralysé, attention, hein, c'est pas il est paralysé, c'est il est totalement paralysé. Ah ouais, mais elle est trop vieille, attention. Hein. Eh ben Lulu, il prend un niveau aussi. Commence à en avoir à force de rire. Mais oui, c'est ça les rides. Les premières rides que j'aurai, ce sera ça aussi. Alors, on va attendre la petite musique se termine, voilà, avant de le mettre sur le layout. C'est bon, c'est bon. Ouais. Non, arrête de me parler toi, j'ai un truc à changer sur l'overlay. Hop et hop. Ah, la magie du direct. Hein. Voilà. Non, attendez. Hop, parce que sinon ça va être chiant pour quitter après. Oui, le trio des sages. Allez, allez. Oui, Suicune va me mettre à l'épreuve, mais d'abord faut que j'aille acheter des Pokéballs en fait. Mieux vaut rire, hein, c'est clair. J'ai passé assez de temps déprimé, c'est bon, je peux rire un peu. Je dois changer sur l'overlay. Mais non, tu dois pas changer. Avec le fou rire que je me suis tapé ce soir, franchement, je crois que là j'ai rigolé pour 3 mois. J'ai tellement envie d'éclater de rire, rien que quand j'y repense, c'est horrible. Alors, hop. Ah bah j'ai toujours pas regardé pour le numéro de téléphone pour avoir la Pierrot, évidemment. J'ai encore oublié. Je sais plus ce qu'ils vendent ici. Est-ce qu'ils vendent des trucs intéressants? Genre, est-ce que t'as des hyperboles, toi, monsieur? Non, des superboles. Oh, mais t'es nul! Est-ce qu'il y en a à Oliville? T'as des abdos à force de rire. Non, mais laisse tomber! Là, j'ai des plaques de choco, mais un truc abusé. T'as tes RMCD MP. Ah, si j'oublie, rappelle-le-moi au pire. Tu m'envoies un message en premier, comme ça je le vois. Comment ça, je me trouve en dernière position? Mais le meilleur pour la fin, démon. Et t'as vu comment je me rattrape bien? Mais ils vendent pas d'hyperbole nulle part. En plus, je crois que je peux pas. Là, c'est la détresse. Hein. Hashtag Lily fou rire. Non, mais c'est exactement ça. Là, je suis en train de complètement délirer. Ah, bah si. Va voir la boutique de mémé, elle vend des trucs incroyables. Est-ce qu'elle a des hyperboles?
Non, des Super Balls. Mais vas-y, je vais pas capturer Suicune à la Super Ball, quoi. Bon, j'en ai 4. Comment j'ai fait pour en avoir 4? Je les ai pas toutes trouvées, quand même. Bon, je vais racheter des Super Balls, quand même. Ah oui, t'as oublié! Bienvenue sur Lily SMTV, l'émission de Lily super marrante. Et on l'avait pas fait celle-là encore. Où elle se tape un fou rire monstre, mais c'est ça, mais c'est. Bon, bah je peux pas acheter d'hyperbole quoi en fait. On peut passer? Eh ouais, on peut passer. Bah quoi ça sert d'aller à la tour là-bas à part pour Suicune alors? Je m'en fous, je le veux pas. Faut pas lancer des pierres comme ça sans raison. Bon, c'est pas grave hein, si on l'a pas, de toute façon, il sera pas dans l'équipe. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'en ai besoin pour. Bah, pff, ce qui m'embête, j'en ai besoin pour Ho-Oh et Lugia, sauf que je compte pas les garder non plus. Donc en fait, on s'en fout si je l'ai pas. Ah, c'était une pierre évolutive, attention! C'est ça, Sarah. Aujourd'hui, je suis en mode fou rire, laisse tomber. J'y peux rien, il s'est passé un truc tellement épique avant le stream. Oh, il est joli le sprite. Il est niveau 40 et mon meilleur Pokémon est niveau 36, tout va bien. Mais non, il pleut pas, il fait beau. Évolue en super psychopathe. Georges, résiste et tout. Coucou Nico, comment tu vas? Il a tornade, lui. J'ai envie de rigoler, on va lancer une bol YOLO. Bon, une hyper quand même, on n'est pas fou. Ouais, ok. Bah ça va et toi, Nico? Eh mais moi, je pensais qu'il allait m'attaquer et tout, mais non, même pas. Je suis pas la seule à avoir des périodes fou rire, ça va. Non mais ça, il faut que je pense à autre chose parce que si je me remets à penser à ce qui s'est passé ce soir, je vais rigoler d'un coup pour rien. Balance tout ce que t'as, je vais lui jeter toutes mes Pokéballs dans la gueule en même temps. Alors, on va envoyer Miyazaki, elle est type O, elle va résister aux attaques O. Puis on va l'endormir. Chine est foutu, bah oui, il est mort. Mais c'est pour mieux renaître de ses cendres après. Non, je vais pas lui balancer une bol maintenant. On va l'attaquer un coup. Enfin, on va essayer. Mais ya, t'abuses, t'as raté ton attaque. Il est mort à cause de l'attaque gros yeux. Oh, la flemme, Lulu. Je sais pas, peut-être Nico. Je connais bien mon équipe, comme tu peux le voir. Mais non, on te réveille pas, c'est nul de te réveiller. Au pire, tue-le. Eh mais je suis sûre que ça ramène Mass XP. Hein. Ça peut être intéressant. D'où ça l'affecte pas, je l'ai endormi juste avant. Ouais, mais on va le tenter quand même pour Enai. Juste parce que c'est Suicune, quoi. Allez, une... Non, une Pokéball.
Non, mais il a vraiment remué dans une Pokéball. Ok. Ok, tout va bien. Bah voilà! Il était pas dur à capturer, Suicune! Ce Pokémon divin file autour du monde à la recherche d'un point d'eau pure. Non, Lulu, t'avais pas le droit! Oh, il est soufflé, Suicune est fort, mais tu l'es encore plus, Lily. Merci, merci, merci. Merci pour le GG. Les Recarly. Bon, Carly, je sais que t'entendras ça dans 20 minutes, mais je suis toujours en mode gros fou rire, hein, si jamais. Putain, y a rien d'autre ici, c'est triste. On va regarder quand même à quoi il ressemble dans l'équipe. Hein. Oh, il est tout mignon, son petit sprite. Ouais. Oh, il avait vraiment que ça comme attaque. Oh là là. Ah, c'est Gina qui m'appelle, attention. Hein. Oh non, j'ai la flemme. C'est loin la route 34. Bon, je sais pas en fait si c'est loin, mais c'est loin quand même. Bon, bah du coup, on va pouvoir continuer notre chemin. Bah, je vais peut-être capturer ton Pokémon ce soir, Kurenai d'ailleurs. Comment Meia elle est en vacances dès demain? Si vous êtes content d'être en vacances, mais moi je me fais chier à force d'être en vacances toute l'année. J'ai hâte de me faire embaucher quelque part parce que parfois les journées sont longues. Mais le monsieur là, pourquoi tu te mets sur mon chemin? Alors. Au revoir Suicune. Franchement, le boulot, c'est top. Non, mais j'ai hâte, moi. Mais je me suis arrangé avec la mission locale. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire des stages à l'endroit que je veux. Puis ça me fera un pied dans l'entreprise. Et comme ça, ce sera beaucoup plus facile après. La fac, ça laisse à désirer. Je suis contente de ne pas avoir été à la fac, moi. Oh, il est gros, Natou. J'avais pas vu. Je crois que Démon il est pas d'accord pour le boulot. Non sérieux, je crois que je préfère encore aller bosser que de rester toute la journée ici parce que je m'ennuie au bout d'un moment. Ouais voilà Patoche. Bah tu vois la première fois que j'ai fait des stages, c'était pour faire aide-soignante. Le problème c'est qu'après j'ai eu un petit souci de dos et puis sincèrement j'ai été déçue du métier, on va le dire clairement. Hein. Bon enfin c'était une expérience, il fallait essayer. Hein. Et ça ne m'a pas plu, mais j'avais une promesse d'embauche derrière si je continuais donc... Donc il y a moyen après en faisant un stage ailleurs. Oui je m'ennuie Démon. Enfin pas là maintenant je suis en stream et tout avec vous, je suis bien mais... Mais la journée, je me fais chier. La journée, je travaille pas, j'ai rien à faire. Je m'ennuie, quoi. Pourquoi tu lances un arbre sur Lulu? Un arbre, quoi. J'ai pas les moyens, Lulu, de passer le BAFA. C'est pas que c'est un tout petit peu cher et que, j'ai du mal à m'acheter des trucs, des fois. Fais des lives H24. J'ai pas envie de payer le courant encore plus. Hein. Le PC, généralement, je l'allume pas avant 18h.
Je pose pas de questions, jamais. Des fois, je devrais poser des questions, mais... Et je le fais pas. C'est tout l'inverse. Des fois, je devrais, hein, mais je le fais jamais, justement. C'est ça, le souci. Et ça fait 2 fois que ma mère, elle m'appelle pour me dire qu'elle a acheté un truc. Elle abuse, là, quand même, hein. Coucou, Zigo. Alors, comme ça, je t'appartiens? J'étais pas au courant. Ah mais j'habite en village, ça va, alors des fois je bouge en bagnole ou quoi, mais pareil, l'essence, ça coûte cher. Bon, en Belgique, heureusement, même si tu travailles pas, l'État te paye. Bah en France aussi. Mais en France, c'est quand t'as 25 ans. Et je vais en avoir que 24 le mois prochain. Ah, Zigo est mon protecteur. C'est mignon. Va se faire un coucou chez moi alors. Ah oh ouais, mais t'es loin. Ce sera mieux quand tu viendras à Châtelet et là ce sera plus près quand même. Ouais, t'as vu, ma mère, elle est dépensière quand même. En plus, ma vraie mère, j'avoue que si elle avait eu beaucoup d'argent, elle aurait eu tendance à m'acheter tout plein de trucs aussi. Vous savez, ce qui est bien avec la webcam, c'est qu'on voit que le haut et qu'en fait, là, je suis en train de me gratter le genou, mais ça se voit pas. Voilà, c'était la petite info inutile du jour. Du soir même, je dirais. Putain, il est moche le reptincelle, hein. Loin, 45 minutes, ben quand même. J'ai pas fait 30 minutes pour aller voir mon père parce que niveau essence, c'est chaud. La coquine, elle se gratte le genou. Tant que c'est que le genou que tu grattes, ben oui, franchement. J'aurais dû m'attendre à ça, faut dire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas vu venir. Ah, bah coucou Windows! Ça faisait longtemps. Il y a une loi qui va passer, c'est que les gens en dessous de 28 ans qui n'auront toujours pas de travail après une année de recherche, l'État donne travail à cette personne. Ah, ça c'est bien, c'est intéressant. Salut Devakin! Pourquoi tu mets bonsoir avec ce smiley? C'est parce que tu as entendu une connerie en arrivant, c'est ça? Pour plus d'actu avec Lily, suivez le live, c'est ça. GG Nico pour le level up. Pourquoi tu t'es senti obligé de le préciser? Je sais pas, mais je suis folle ce soir. Il s'est passé que j'ai eu un gros fou rire avant de lancer le stream et que je m'en remets toujours pas en fait. Et du coup, depuis tout à l'heure, je dis de la merde. D'habitude, je suis calme, il y a du silence et tout, mais là, j'arrête pas. Ah non, mais c'est nul avec ce Pokémon-là. Je suis au fond, ma co-bug de fou ce soir. Ah, sérieux? Bonne soirée Sarah, merci d'être venue, des bisous. De toute façon, faut d'abord s'occuper de la loi du travail avant de voir ensuite. Ouais, mais niveau des aides pour les jeunes, quand je suis allée voir, n'empêche qu'on m'a dit si j'avais pas mes grands-parents, je serais à la rue, ça fait quand même mal, hein. Je pense que j'aurais largement trouvé du travail avant que Pôle emploi m'aide ou que la loi m'aide. Oui, mais la France, c'est un peu bizarre. Mais en Belgique, je sais pas comment ça se passe au niveau des aides des mots, mais j'ai un ami qui en ce moment a des difficultés, qui habite en Belgique. Et vous avez l'air moins aidé qu'en France quand même. Niveau argent, je veux dire, quand vous n'avez pas de travail ou autre. GG Patoche pour le level up.
Ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire une remarque sur le sprite de démon, mais je me retiens, ça fait deux streams que je me retiens. Eh ben Lulu, il a encore pris un niveau. Ah oui, ça c'est vrai, la France en ce moment, c'est de pire en pire. Hein. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Je suis tranquille pour une fois. Mais c'est à cause de ton sprite! Oh mais Nico! Mais voilà, Nico lit dans mes pensées en fait. Parce que ça fait un moment que j'ai envie de vous dire, voilà, je mets la flèche devant, je sais pas si vous le voyez là. J'avais, ça fait un moment que je me retiens de dire, regarde démon, il y a le bout de ta queue qui dépasse sur l'écran. Mais voilà. Voilà, ça y est, j'ai sorti ma connerie. Voilà. Si j'avais su, j'aurais pas été à la fac, sérieux? Ça me bousille le moral cette connerie. Ah puis je t'imagine tellement mal déprimé en plus. Tellement l'habitude de rigoler avec toi et tout. Ah ça c'est moche Lulu. Touche plus à rien ce soir. Ta journée c'est de la merde en ce moment. Alors touche plus à rien ce soir. Je suis désolée les gens, je suis désolée. Non mais hey, d'habitude c'est vous qui faites des blagues de merde. Pour une fois, je peux profiter aussi, non? Puis j'ai fait un effort, je me suis retenue tout le stream dernier. Et puis forcément, il s'agit du sprite de démon. Alors voilà, c'est... Et choquée par ce que dit Lily. Mais non, Zigo. J'ai déjà dit bien pire que ça, voyons. Ça, c'est parce que tu me connais pas IRL. Heureusement qu'Yoshi n'est pas là en fait au moment où j'ai dit ça parce que elle aurait ressorti des dossiers. Je te donne un exemple. J'ai un oral en espagnol de 10 minutes sur la condition de la femme en Bolivie. Ah ouais. Tiens, c'est marrant, je suis contente de pas être à la fac d'un seul coup, c'est... Mais non, Lulu, fais pas ça, Kurenai, tape-le! Mais non, démon, mais non. Ah, je suis sûre que Démon aurait fait un très bon exposé là-dessus. Mais qu'est-ce que t'as fait, Lulu? T'as explosé ta 3DS pour récupérer ta carte SD? Moi aussi, je suis bien contente de plus être en cours. Tu vois, Zigo, les parents disaient toujours, ouais, un jour tu diras l'école, c'était bien et tout. Et j'en suis pas encore à ce moment-là et je vois que toi non plus, donc ça va. Mais pourquoi je lui apprendrais point éclair à Typhlosion alors que je l'ai sur Electek? Ah. Bon, je sais plus exactement où je peux avoir ton poké, Kurenai, en fait. Je sais que c'est dans la grotte de glace, mais je sais qu'il y a une zone où il y a plus de chances. Sinon, si on le trouve pas sur le chemin ou quoi, je le ferai hors stream, hein, bien sûr. Histoire de pas perdre trop de temps. Salut Tifa, comment vas-tu? Ah ouais, quand même, Carly. Oui, je connais plus la route, hein. Je suis en train de faire tout au pif. Ah bah c'est dommage.
Mais d'un autre côté, vu comment je galère à trouver du taf, je me dis que les cours c'était pas trop mal, surtout que mes années internes c'était super. Bon, j'ai mon téléphone qui sonne, je sais pas si ça s'entend d'ici. Au pire, ça rappellera, c'est pas grave si c'est important. Bah après, je sais pas, parce que moi, mes années... Ouais, elles étaient cool, hein, les années lycée, tout ça, mais bon. Je viens d'emballer du chocolat pendant 3h30. Comment ça se fait? Bon, par contre, si jamais ça rappelle une deuxième fois, je quitterai 2 secondes le stream pour aller voir. Bon, je sais plus comment aller la route. On veut pas savoir ce qui vibre et où tu l'as mis. Non, mais il vibre pas, c'est le téléphone fixe qui sonne dans l'autre pièce. Mais je l'entends avec le casque, donc je me dis que peut-être ça s'entend sur le stream. Ah là là, tout de suite. Bande de coquinous, va. Ah bah voilà, c'était pas difficile la route. Non mais tout de suite vos conneries quoi. Ah là là. Comment je fais pour sortir d'ici maintenant? Comme ça. Je vends du chocolat dans le cadre de mon club de sport, c'est pour la bonne cause. Ah d'accord. Oh, magnifique. Tu es coincé à jamais. Tout ça pour avoir voulu choper une Pokéball. J'avais oublié que c'était dans ce jeu, ça. Non, c'est une mauvaise idée de le mettre par là en fait, le truc. Plutôt par là. J'espère que le téléphone, c'est pas mon arrière-grand-mère qui m'appelle pour savoir comment ça s'est passé ce soir. Parce que sinon, elle va rigoler aussi. Non, je voulais pas aller dans le trou! C'est pas bizarre ce que je viens de dire, c'est pas vrai. Faites des dons pour une nouvelle. Et d'abord moi les dons. Hein. J'ai besoin d'une PS3 pour stream plein de jeux. Non, celui-là, faut que je le monte de l'autre côté. C'était la phrase du stream, Lulu. Tu peux pas chercher. Tu peux lui répondre que t'es en bonne compagnie et que ton mari t'attend pour ton massage quotidien. GG Tifa pour le level up.
Qui c'est qui t'a demandé de l'argent, démon? C'est moi? Mais je m'en fous de ce Pokémon. Non, je voulais pas faire ça. Bon, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Cours plus vite. Mais non, reste, démon. N'aie pas peur. En plus, je peux pas te courir après, je suis en stream et tout, donc... Est-ce que j'en ai vraiment besoin de ce caillou d'abord? Peut-être. Peut-être que j'en ai effectivement besoin de ce caillou. Ah, ça va, démon revient. Il est mignon quand même le sprite de Nosferapti, ça va, j'aime bien. Celui de Mister Bossier est sympa. Oui, sûrement. Tant pis, je le refais. On peut le refaire, donc ça va. Bon, par contre, Nosferalto, c'est un tout petit peu moins mignon, quoi. Non, vas-y, démon, quand même, si lui, il a pas le moral, rajoute-en pas. Par contre, celui d'Ortil est horrible. Voilà, en fait, les premiers Pokémon, ça va, mais les évolutions, ça laisse à désirer, quoi. Aussi, il est trop mignon, Nosferalto. Tu dis ça parce qu'il a des dents de vampire. Bon, cette fois-ci, on fait attention, hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour mettre un rocher dans un trou? Mais ça va à côté, c'est nul. Ah, c'était pas comme ça. Ah, ça marche mieux comme ça. Bon, y a moyen de trouver des pokés ici. Lily, fais attention. Comment ça, je fais attention? Si, je crois qu'on a déjà eu cette conversation. Dommage que Carly allait pas le stream parce que je lui aurais bien demandé, vu qu'elle a vérifié où est-ce que je peux le trouver. Oups, je suis partie un peu trop loin. Oui, Tifa. Je cherche le poké de Kurenai. Mais il est rare. Et c'est pour ça que j'ai dit si je le trouvais pas en stream, j'allais pas passer le stream entier dessus. Que je le ferai hors stream évidemment. Elle me cherche. Attends, il y a plus d'espace ici. J'ai essayé à la pince à épiler et ça marche pas. Pour la carte SD? Ah, moi je veux bien, démon. Des vacances, tout ça et tout.
Mais seulement si tu payes, hein. Non, pas marque à crin, non. Tiens, Lulu, tu sais pas quel Pokémon sera Kurenai? Ça me surprend, ça. On a une bicyclette, je crois. Possible. Quelque part dans le sac. Non? Ah non, j'ai pas été la chercher. Je lui ai pas dit, c'est pour ça. Ah bah je ne dirai rien alors. Vous avez dit plein de poké, je ne dirai rien. Ah, j'aurais cru que tu lui aurais dit, tu vois, Kurenai, mais t'as gardé la surprise. Bah c'est pas marque à craindre quand même, hein. C'est pas mignon. Moi je dis on cherche juste que 20, ça nous laisse encore 4 minutes. Et si je le trouve pas, bah on continue. C'est pas grave, je verrai ça ce soir. De mon côté. Parce que bon, en stream et en replay, on va pas se mentir, c'est pas le plus passionnant, hein. Aliputi. Ah. Tu as Skype, Lily? Oui, comme tout le monde. Je le filerai sur Twitter si jamais. Ce sera beaucoup plus pratique pour discuter avec toi. Surtout que j'ai plus Facebook en ce moment. Ouais, pour ceux qui savent pas, j'ai eu beaucoup de demandes d'abonnés sur Facebook et du coup, j'ai supprimé mon compte et je compte m'en créer un nouveau. Mais la flemme. Tu veux que j'aille chercher Lily? Non mais je sais que c'est ici, je sais que c'est 1% de chance et qu'il y a une zone où c'est et qu'il y a une zone où c'est 5%, tu vois, mais je sais plus où c'est 5%. J'ai eu la question. Farfurie route 2. Bah voilà, et voilà, Carly a balancé le Pokémon qu'on cherchait comme ça avec le décalage. Non, Tifa, c'est pas. Les abos n'ont pas mon nom et mon prénom, tu vois. Le souci, c'est que le premier compte Facebook, j'avais mis dans l'URL Lily Rosalina, ce qui est mon pseudo sur YouTube. Donc, c'était pas très intelligent, mais à l'époque, j'étais pas recherchée, on va dire. Et donc certaines personnes m'ont retrouvé en tapant Lily Rosalina sur Google, tout simplement. Salut Pierrot! J'allais dire, il n'y a même plus aucun Pokémon là. Elle pèse dans le game maintenant. Bah, peut-être pas non plus à ce point-là, mais. Disons qu'au bout de 5 à 10 demandes sur Facebook de gens que je ne connais pas dans la vraie vie, je. Je me suis dit, bon, il est temps que je fasse un autre compte plus privé. Bon, je crois que ceux qui me font des dons peuvent voir le vrai nom, je suis pas très sûre, mais. Mais du coup, ça restera beaucoup plus limité que. En faisant comme j'avais fait avant. Je dois pas être une fan car j'ai pas cherché moi. J'ai une nouvelle ration de potions de skill encore plus puissante. C'est vrai? Ouais, démon, c'est bien ce qui me semblait. Bah, du coup, moi c'est pareil, je connais le nom de ceux qui me font des dons aussi. Bon, vous inquiétez pas, je garde ça pour moi aussi. Hein. C'est pas très malin.
Non, celui qui balance se prend un ban de la chaîne. C'est pas difficile. Et ouais, mais la personne que j'apprécie, j'ai pas beaucoup de succès auprès d'elle, moi, Nico, malheureusement. Enfin, je crois pas. D'après mes amis, si, hein, mais d'après moi, non. Ah, démon est muet comme une tombe, attention. Moi, je m'en fous, j'ai une chose que vous aurez pas. Mon numéro de téléphone? Bah oui, démon. Étant donné que tu m'as fait un don, j'ai pu voir ton nom et ton prénom aussi. Ah Qui balance quoi? Mon prénom et mon nom de famille, Patoche. Pareil, toi tu le connais parce que tu me connais IRL, mais ça reste privé, quoi. Je le balance pas sur le chat. PayPal m'a trahi. J'en étais sur Zigo. Ou alors fais-toi payer si tu donnes mon numéro de téléphone, tant qu'à faire. Histoire que ça rapporte et on partage après. Et moi je suis en vacances toute l'année, Pierrot. Et comme je disais, moi j'aimerais bien aller bosser plutôt. Bon, il y a 21, j'avais dit jusque 20. Peut-être qu'on le croisera par hasard maintenant. Mais non, Lulu. Ah ben. Oui, peut-être qu'on va le croiser par hasard maintenant. Bah oui, bah oui, bah oui. Au moment où je dis que je laisse tomber, il arrive, comme toujours. Bon, je suis désolée, Kurenai, tu seras un mal, hein. Tu m'en veux pas, j'espère. Vas-y, j'ai peur de le tuer, moi. Moi, mon prénom est tellement difficile à deviner. Bon, ça marchera pas comme ça. Kurenai est trans. Non, pas que je sache, mais comme son Pokémon est rare, j'ai pas tellement envie de prendre le risque de rechercher. De toute façon, à part Shin, je crois que personne a le bon sexe dans ton équipe. C'est vrai. Je sais pas, tu t'appelles Pierre ou Pierrot, mais plus Pierre quand même. Bon, Kurenai, tu vas rester dans cette Pokéball. Non, avec une Super Ball, il va pas rester. Alors, c'est un Pokémon que je n'ai jamais joué. Ouais, là, il reste pas du tout. Bon, on va l'attaquer un petit peu. Ça lui fait quoi, pistolet à eau? J'ai tellement peur. Stop, stop, stop. Eh, doucement, hein. C'est comme Nico, je suis sûre que son prénom, il est dur à deviner. Pourquoi ça parle de Monsieur G? Pourquoi? Faut pas parler de Monsieur G. C'est à cause de Monsieur G d'ailleurs que je suis en fou rire depuis tout à l'heure. Mais oui, démon, je vois très bien. Pierrot et Monsieur G, mais non, mais non. Ou alors je suis pas au courant. Ah bah voilà. Tu le connais grâce à PayPal, bah oui. Ah, c'est un griffe acérée, attention, ça c'est bien pour Kurenai. Ce Pokémon rusé se cache dans l'ombre et attend patiemment de fondre sur sa proie. Eh franchement, Kurenai, ce Pokémon il est fait pour toi. Ah bah voilà.
Ça va, il était pas trop dur à trouver. On mettra juste Kurenai parce que tout ne rentre pas sinon. Je dis vague, t'inquiète. Non mais moi je dis vague depuis le début du stream de toute façon. Bon, on va lui donner le multi, hein. Je suis désolée Lulu. Je te reprends ton multi pour le donner à Kurenai. Hop. Alors d'ailleurs niveau sexe dans l'équipe. Ouais, c'est très bizarre dit comme ça. Non, je voulais pas faire force. Ah oui, d'ailleurs, faut que je la rajoute sur l'overlay. À ce qui paraît, c'est mieux. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà. Moi, je dis vague aussi. Alors. Lulu. Ah bah non, Lulu a le bon sexe aussi, c'est un mâle. Bon, Miyazaki, tu es un homme maintenant. Démon est une femelle. En fait, il n'y a que Lulu qui a le bon sexe avec Shin. Ah oui, du coup, je lui ai pas donné le multi. Non, il est ici, je crois. Ouais. Et j'ai même pas regardé ce qu'elle avait comme attaque. Ce regard de psychopathe sur l'overlay. Mais ça lui va bien. Mais ça lui va bien. Alors, griffe, gros yeux, vive attaque, grincement. Va falloir arranger ça quand même. Hein. Quoi, j'ai pas le bon sexe, je suis une fille. Mais voilà, enfin dans l'équipe, je suis pas une psychopathe pour rien. Bah finalement, j'avais dit que ton Pokémon serait peut-être galère à trouver, mais non. Non, on s'en fout de la Pokéball. J'ai pas envie de me prendre la tête à chercher le chemin. Bon d'accord, celle-là j'y suis. Danse avec les Magikarp. Oh bah ça faisait longtemps. Il suffisait de demander. Voilà, je demande Kurenai à la rive et tout. Ça c'est parfait. Non, vous inquiétez pas, j'ai arrêté de me gratter le genou. Hein. Ah là là. Il dit qu'il veut quitter la grotte à tout prix, mais ouais. Qui sera ton sixième Pokémon? Ah ah! Mystère. Ah, j'y ai pensé, Tifa, tu sais ce Pokémon. Mais finalement, j'ai changé d'avis après. Mais non, Zigo, franchement, Mysterm. Ah bah oui, Mysterm, le sprite tout mignon et tout. Voilà, j'ai craqué, tu vois. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Ouais, mais les repousses, je vais prendre des max repousses, je vais y arriver. Un Pokémon plante? Non. Bon, les super potions, on s'en fout maintenant. Ça, j'en ai qu'une, ça m'énerve. Je préfère les guérisons, de toute façon, à la ligue. Bon, j'imagine qu'il vend des hyperboles. Je ne dirai rien, Tifa. Mini Draco, bon, il est intéressant, mais... mais pour le faire évoluer, c'est un petit peu long aussi.
Oh mon dieu, il va pleuvoir. Oh non, c'est nul la pluie. Niveau potion. Ah bah c'était ici. J'en ai 6. Ah, ils étaient là les rappels. Non, j'en veux pas 6, j'en veux 7. Si, tu vas cracher le morceau. Mais non, 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 il y a quoi derrière toi? Une bibliothèque avec des livres. Un rideau pourvoyeur. Elle va prendre Peter en dernier Pokémon. Hé, la classe! J'avais déjà des Max Repousse, non? J'en ai une. Ouais. Bon, je suis encore riche, mais pas de beaucoup, hein. Moi, je dirais, on va reprendre des petites potions quand même. Non, je suis pas pressée d'avoir Sandra, moi. C'est marrant, hein, mais je me souviens que j'avais galéré. Je pense pas, Pierrot. Sincèrement, j'ai déjà essayé d'en faire de mon côté déjà et j'ai pas du tout la patience. Après, en live, je me dis que ça peut être sympa vu que vous êtes là, tout ça, donc ça peut avoir un côté moins chiant en live. Donc de là à dire jamais, je pense pas, mais c'est sûr que c'est pas prévu. Bon, est-ce qu'on a des CT intéressantes? Non, j'ai pas envie. Coup de boule. À qui je vais apprendre coup de boule? Il y a Kurenai qui peut apprendre coup de boule. Ah, je vais lui apprendre coup de boule. Ok Pierrot, bonne soirée, merci d'être venu. Bah, Vent Glace, on se demande bien qui on va la prendre. Hein. Ouais, je vais mettre des coups de tête. Tunnel. Ouais, non, j'hésite un petit peu là. On verra plus tard pour tunnel. Il me semblait bien que Kurenai pouvait prendre une balle ombre. J'ai trouvé Cap Humain. Elle lâche pas l'affaire, Tifa, attention, hein. Bon app, démon. Eh, mais en fait, je peux les vendre, les CT, dans cette version. Comme ça, je vais pouvoir acheter des potions et tout. Je vais en avoir besoin en plus avec Sandra. Bon, les deux là, je sais pas trop, donc je vais les garder pour l'instant. J'avais rien ici à vendre. J'avais déjà fait le tour, je crois. Oui, non, j'ai dit que j'allais racheter des potions, puis après, je me casse en fait. Mais d'abord, des rappels, on avait repris des potions tout à l'heure. Voilà. Ce sera pas trop en tout cas.
Non mais je peux pas la reine maintenant quoi. Et genre là-haut on peut y aller tout de suite ou pas? Eh ben non, sinon c'est pas drôle. J'aime pas cette arène. J'ai zigo pour le level up. Mais non, Kurenai, t'avais pas le droit. Oh, mini Draco, le sprite, il est trop mignon. Un feu faux rêve. Ah, ça peut être sympa aussi. Non, mais en plus, je vais rien lui faire, quoi. Mais c'est pas grave. Au moins, je suis pas la seule à dire des blagues de merde ce soir ou à dire de la merde tout court. Ça me rassure, moi. Elle a été obligée d'expliquer la blague, attention. Tu peux attraper un mini Draco. Ouais, dans la grotte derrière, en principe, je peux en capturer un. Mais regardez comment il est mignon. Et comment il bouge son petit nez et tout quand il arrive. Umbrilex, très bon Pokémon aussi. Mais non, t'avais pas le droit de faire Dracorage. Bon ben, rip Shin. Je peux quand même pas tenter Kurenai. Oh, il est classe le sprite. Des bugans. Oh non, c'est dur ça. Non, j'ai fait une évolution par bonheur, ça ira. Une, pas deux. Mais regardez son petit nez. Ça y est, je vais être à fond dedans. Bah tu vois ici, il fallait m'envoyer, bah ouais, ça a tenu. Bah ben, résiste aux souplesses quand même, hein. Là, j'ose plus t'envoyer, tu vois. Pourtant, on lui a baissé... Vas-y, je tente. J'aurais pas dû. Je me suis dit, on lui a baissé sa vitesse. Bon, peut-être que... Hé, hey, Kurenai, c'est ta première mort. Ta toute première mort, tu te rends compte? Peut-être mentel, ah, peut-être. Il y a Carly qui sait qui sera le dernier Pokémon. Et la personne qui sera le nom du Pokémon, justement. Mais cette personne en question n'est pas présente. Bon, bah, on va aller au centre Pokémon. Et ouais, je suis fourbe, moi, attention. Hein. Se retrouve à l'avant-ville, mais non, mais non. Fallait que tu te fasses bichonner une fois par l'infirmière Joël, tu vois. Par contre, j'ai failli prendre un type vol. Ou alors pas de sixième. Et ouais, peut-être qu'en fait, il n'y en a pas. Ah ah. Lily, si un jour t'es un vrai, n'oublie pas, tu dois l'appeler Jean Dylan.
C'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est pas un Pokémon que je joue, hein. J'avais complètement oublié comment elle était cette arène dans la deuxième G. J'ai dit tous les Pokémon intéressants qui restaient. Bah peut-être que un de ceux que tu as dit est le bon, hein, on sait jamais. Peut-être, peut-être pas, tout ça. Hashtag le sixième sera pas intéressant. C'est un fouinette. Non, j'ai déjà voulu jouer ce Pokémon et franchement, quand j'ai vu les stats, j'ai fait non. De mes souvenirs, il a une défense de merde. Oh, Kurenai a le level up. Un joli flore. Ah ah. Cherchez pas, je dirai rien de toute façon. Ouais, c'est celui-là qu'il faut prendre. Bah, j'y avais pensé aussi pour ce poké, mais voilà. Ce Pokémon sera Arceus en 2G. bah oui, voilà. Le Hippotrompe aussi, les Tomagnon. Je sais plus qui elle envoie en premier, Sandra, comme Poké. Un mini Draco, je pense. Ou un Draco, je sais plus. Comment ça, démon rate son attaque? Je suis pas d'accord, moi. Elle va tenter de croiser un légendaire et ce sera bon. Voilà, c'est Suicune, en fait, le... Ou Megadratak en 1G. Oh non, je l'aime pas, Megadratak. On dirait un croissant géant. Dans une camisole de force. Pourquoi Lugia? Pourquoi pas Ho-Ho en fait? Dans un sens, j'y pense. Vu que j'ai déjà un petit bol et que j'ai déjà un petit peu et que... On dirait une lune vue du ciel. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le logo de Pokémon Moon en fait. Hein. C'est. Oh Draco. Ben voilà Lulu qui met Pokémon Moon. Exact, je regarde au type. Je m'en suis doutée. En tout cas, mon téléphone n'a pas ressonné, donc ça devait pas être urgent. Ça me rassure dans un sens. Mais non, c'est pas Léviator. C'est possible d'avoir Germignon. Bah, étant donné que j'ai pris... Le starter feu, non, on peut pas le ravoir après ici. Non. Pas sur Typhlosion, non. Ah
Allez, je vais même donner le super bonbon à Kurenai. Si tu level up sur le stream au même moment. Elle veut apprendre feinte. Ouais. Je sais pas dans cette version Kurenai, je crois pas. Elle a Léviator, Draco, Hipporo. Ah, elle a un Léviator, sérieux? Je me souvenais pas de ça. Faudra que je mette des mots en premier du coup. Mais si c'est possible avec la carte Kiwi. Mais regardez ce mini Draco, comment il est tout mignon! C'est dans longtemps, ça va. Ça aurait été tellement énorme. Ah là là, cette attaque Dracorage. Oui, je me souviens, Lulu. Donc on verra bien, mais bon, j'espère. J'espère que cette fois ce sera bon. Vas-y, Kurenai. Va voir Draco. Ouais, peut-être pas. Là, je pense pas que tu vas survivre quand même. Comment Kurenai, elle rate son attaque. Dans l'anime, là. Oui, mais entre l'anime et le jeu, des fois. Ah, mais c'est nul. Il avait raté son attaque, j'aurais pu en profiter. Je sais pas si on aura le temps de faire la championne ce soir. Je me bats beaucoup aujourd'hui. Ah, t'as vu ça, Lulu? Mais non, Kurenai, tu es toujours vivante. Par contre, démon, lui, il est mort. Alors, vous voyez Lulu. Je crois que c'est ton premier combat aujourd'hui. Mais tu rates ton attaque, mais c'est ton premier combat et tu te permets de rater ton attaque comme ça? Bah si, voilà, t'es sorti de ta Pokéball. Tu vas bientôt mourir, Lulu. Oh, il est moche ce Pokémon. Non mais Dracarmin quoi, moi je l'aime pas du tout. Bon. J'aimerais bien pas utiliser de rappel maintenant. Normal, je me suis pas dégourdi, tu me balances en arène. Mais ça, c'est parce que j'ai confiance en mon équipe. Bah Carly, à moins qu'elle prenne sa douche en 10 minutes, je pense pas. Elle peut toujours revenir après, hein, mais.
Mais le stream sera fini. Bah voilà, c'est Miyazaki qui a défoncé Draco. Bon, bah allez soigner les Pokés quand même. Donc je sais pas s'il y en a un d'entre vous qui peut me dire en allant voir sur Pokébip ou n'importe où qui allons voir en premier. Comme ça au pire, ça me fait gagner du temps pour la tenter une fois avant de quitter le stream. Ah mais dites-moi, je suis en train de penser hors sujet, hein, mais par rapport au Stropole du vote du... Oh, c'est Gaspard! Est-ce qu'il va me dire qu'il a changé encore? J'ai vu que vous étiez emballé par Splatoon, mais c'est vrai que du coup c'est ce week-end le festival de Splatoon ou pas? Je me suis pas renseignée. On se fait un combat? Non, j'ai changé, tu verras, ça y est, recommence! Il a recommencé. Ça faisait longtemps. Ah, Gaspard. Eh ben d'ailleurs ça commence par un G. Non, je vais arrêter avec ça. Tout est lié, c'est vrai. Monsieur G, Gaspard, bah voilà Tifa. Ça me rassure, je suis pas là sans y avoir pensé. Merci Tifa. Oh là là. Bon, j'avoue, c'est Gaspard en fait. J'avoue tout, ça y est. Elle a trois Draco et un Hipporoi, je crois. Oh, ça fait mal ça. C'est pour ça qu'elle a son numéro. Normalement, on la voit Draco. D'accord. Fantasme dans le jeu. Oui, voilà, j'avoue tout. Gaspard, tu vois, c'est le grand amour de ma vie. Non, mais si on l'envoie Draco avec Kurenai au niveau 25, ça va pas le faire. Non, d'abord quelqu'un qui a hypnose. Bon, je l'attends qu'une fois. Si on perd, ben, on la fera au prochain stream de Pokémon. GG Lulu pour le level up. Mon Draco. Niveau 37, ça pique. Je vais peut-être devoir farm aussi en dehors du stream. Ou alors un après-midi, si je me fais chier, je vous fais un après-midi farm en stream, si vous voulez. Hein. Comme ça, je farme pas toute seule dans mon coin. Il manque quand même Balthazar, j'avoue. Sans le duo, c'est pas pareil. Non, te réveille pas. Mais ça attaque tonnerre ce truc en plus Draco là. Ouais ce truc, ce sont tous des trucs pour moi. Ah ouais mais c'est chiant en plus, elle est paralysée Kurenai. Je vais perdre un tour. Ah je les ai passés les total soins. Lily est aveugle. Hipporoi level 40. Ah, ça pique. Je me souviens que j'avais galéré sur l'hipporoi. GG Dovahkiin pour le level up. Oh,
Oh, Kurenai, t'aurais pu le finir là quand même, t'exagères. Ah, la violence. J'espère qu'elle était bonne la claque, attention. Ah, Hipporoi. Oh, il est moche. J'aime les tuer lentement, ça fait plus mal. Ah bah c'est dommage que t'échoues. Ah, j'ai pas cage éclair, mais j'aimerais bien. Je sais pas si je peux le paralyser. Ouf. Avec point éclair. Genre il le tient à 1 PV. Sa tête ressemble à une clé, c'est ça. Ah bah c'est con que tu rates ton attaque. Ah bah c'est con qu'il soit paralysé. Mais où est la serrure? Bon, ça aurait été cool de jouer démon sur Hipporoi en tout cas. C'est Lily qui sait. Ah bon? J'envoie qui face à Hipporoi moi? Allez Lulu. Vas-y, défonce-le. Allez, là, il reste 3 minutes. Dépêche-toi de mourir. Oh, mais non, on rate pas ton attaque. Oui, un Hipporoi, tu peux le faire, Lulu. Regarde, la preuve, coup critique et tout, bim. Bah voilà, tu vois que tu peux le faire, Lulu. Fallait pas être défaitiste comme ça. J'ai réussi à tuer celui que je redoutais le plus, quand même. Je suis plutôt fière de moi, là. Oh, Kurenai qui fait un bisou magique, ça fait bizarre. On la connaît tellement plus, ce psychopathe, que... Il a fait un bisou pour mieux le refrapper. En tout cas, j'aime beaucoup le sprite de Kurenai. J'avais jamais joué le Pokémon. Oh. Je sais tout, ou presque. Et ouais, tu sais pas quel Pokémon je vais capturer en 6e par exemple. Non, on va lui mettre un total soin quand même. Ouais, quand même, Nico, pas juste avec un bisou. Ce serait un peu triste.
Ouais, c'est bien. Continue à dormir, Draco. Kurena, il t'aime vraiment les laisser à 2-3 PV de la fin, hein. Pour mieux les torturer. Allez, encore un. Oh, Moubot, il a mis le jeu du dimanche tout seul. Oh mais non, Miyazaki, il fallait pas rater ton attaque. Comment je vais faire sans hypnose, moi? Bon, je suis désolée, Lulu, tu vas servir de sacrifice. Parce que tu as hypnose. Voilà, et que si ça échoue, tu vas mourir. Ah oui, et bien mourir même. Bon, je suis pas sûre qu'au coup de feu, ça lui fasse grand chose. Bah, ce Pokémon, c'est un psychopathe comme moi, tu sais à quoi t'attendre. J'avoue. Il est chiant avec son cage éclair, lui. C'est ça, Lulu. J'imagine bien le truc. Ah bah, le coup critique, ça fait plaisir. Surtout qu'on est en train de déborder du stream, là, attention. Bah, je sais pas si c'est normal, Tifa, parce que bah, la première fois, ça m'a mis ça, je me suis dit, tiens, ça marche pas. Et en fait, ça marche aussi, des fois, donc ça veut rien dire. Je sais pas, c'est sûrement les versions qui étaient comme ça à l'époque, je me souviens plus. Bon bah voilà, on a fait Sandra. Heure sup de Lily, ouais, je suis même pas payée en plus, tu te rends compte? Ouais, mais j'irai samedi. Merci pour le GG. OMG V-Badge. Eh ouais, ça va vite, hein. Mais grâce à toi, Kurenai. Tu te rends compte tous les levels que t'as pris aujourd'hui en plus? Je t'ai capturé level 22. Et tu es level 27, je crois. Et on a fait Sandra et sans couverture. Mais non. C'était la blague du jour, attention. Hein. Alors, on va remettre un petit peu d'ordre dans cette équipe, hein, avant de faire le bilan et de se quitter là pour ce soir. Ouais, c'est bien comme ça. Pas encore 8, oui, pas tout à fait. Elle le donne après. Alors, on a Shin qui est notre Typhlosion au niveau 37. Luludo qui est notre Noirfang au niveau 32. Démon qui est notre Electek au niveau 31. Miyazaki qui est notre Tetart au niveau 30. Et Kurenai, notre psychopathe, qui est notre Farfuré au niveau 27. Alors dans tous ces Pokémon ici, bon Shin je l'ai déjà joué, Lulu aussi. Démon, alors Electek c'est une première pour moi. Tetart c'est une première aussi. Et Kurenai, c'est pareil. Le titre de l'épisode, Sandra est sans couverture. Non, je ferai pas assez de vues après. Faut que je mette Suicune dans le titre. Bon, on avait le pull de grand-mère à vous, Lily. Comment ça? Je n'avouerai rien. Et Dracolos, le sixième Pokémon de l'équipe. Eh, peut-être, peut-être pas. Enfin, Dracolos, en plus, il évolue tard, je crois, ce Pokémon. Bon bah voilà, bah en tout cas j'espère que vous avez voté pour les Stropole, c'est toujours bien d'avoir votre avis. Même si vous n'avez pas le jeu par exemple pour dimanche, hein, si vous n'avez pas le jeu mais que vous avez envie de voir un jeu en particulier, tout ça quoi.
YouTubeuse putaclic, c'est ça. Niveau 27 et j'ai tué des drogues au niveau 37. C'est ça le talent Kurenai. Essuie-qu'une. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, YouTube et Twitch si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour la suite d'Hyrule Warriors. Des bisous, les amis. Une bonne soirée.